Hey, salut, c'est Clone. Je me lance sur une série Minecraft. Il y a très longtemps que je n'ai pas joué à Minecraft. À peu près, j'ai arrivé sérieusement il y a au moins 5 ans. Et donc, il a énormément évolué, hein, ce Minecraft. Et donc, je suis curieux de voir tout ce qu'il y a de nouveau sur celui-ci. Alors, je me suis installé, posé ici. Alors, j'ai un peu voyagé. Hein. Je suis pas à l'endroit où j'ai spawné. J'ai vraiment voyagé un peu. Donc là, on peut voir, il y a une montagne. Mais ce qui m'intéressait, moi, c'était d'avoir un village à côté. Waouh, les lamas. Alors ça, c'est nouveau, hein, sur la 1.14. Ce qui m'intéressait, c'est d'avoir un village. Voilà, j'ai trouvé ce village-là. Alors moi, je viens de par là. Hein. Le spawn est loin, loin par là. Je crois, j'en suis à peu près, je crois, au jour 5 ou 6. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup marché. Et les chats. Les chats. Toujours des chats près des villages pour faire fuir tous les mobs hostiles. Alors, cette série s'appelle Pose ton cube, un peu spécial hein, avec un Q et pas un C. Bon, comme ça, c'était un petit. Je trouvais ça sympa, j'avais envie d'appeler cette série comme ça. Alors dans chaque épisode, bah du moins peut-être pas celui-ci, mais le prochain par exemple, hein, je poserai même en attendant je vais faire cuire au lieu de faire du gauche-droite. Je poserai un cube. Alors je vais m'aménager un endroit. Parce que c'est des cubes qui vont faire du. Je crois. J'avais fait des tests en créatif. Des cubes qui feront 5 sur 5, je crois, de côté, ainsi bien qu'en hauteur, donc avec un petit, bon voilà, pas un cube tout bête, encore un chat là-bas, pas avec un design tout carré, tout bête, hein, mais avec un petit design quand même dessus, avec chaque élément posable dans le jeu, c'est-à-dire là par exemple les morceaux de bois comme ça, et ben je les utiliserai pour faire un cube. Ah, c'est pour avoir un petit ajouter un petit truc en plus. Un petit défi quoi pour moi, en plus de mon aventure. Nouvelle recette. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a de. Alors, ça, c'est sympa maintenant hein, de pouvoir. Je sais pas à quel moment ils ont implanté ça. Mais je trouve ça extrêmement sympa de pouvoir. Plus à chercher tous les crafts. On les a tous sous la main. Des livres. Du papier. Ouais, du papier, je vais en avoir besoin. Je vais en faire tout de suite. J'ai du cuir ou quoi? Non, j'ai pas de cuir encore. Oui, salut monsieur le lama. Je sais même pas si on peut les dresser ou faire copain copain avec. Oh là. On fait les bruits bizarres, je suis dedans. Alors j'avais aussi récolté un petit peu de minerai de fer. J'ai réussi à trouver ça. Je vais pouvoir me faire mes premières pioches pelles en fer. Je crois, je sais pas si je ferais peut-être une épée d'abord en fer et puis. Et ici, attendez que je repère un peu. Là, je connais pas encore bien bien la zone. Donc ici, on a un endroit sympa. Hop, partir un grand, une espèce de grand lac là. Assez cool. Montagne, tiens. Si on allait voir hein, ce qui se passe pour voir un peu ce que l'on a à l'horizon. Et au bas de cette montagne,
Je vais faire ma carrière, mais une carrière. Bah, je vais faire carrément une carrière. Je vais pas faire une mine, je vais faire une carrière à ciel ouvert. Je trouve ça extrêmement sympa. Plutôt que de faire une mine basique. Là, je vais faire un trou énorme. Ouais, mais c'est haut, hein. Et là. Et punaise, c'est extrêmement haut. Waouh! Ah ouais! Excellent. Ah ouais. Les nuages qui passent, ça là. Oups, je retourne. Voilà. Eh ben, voilà, je suis au sommet de la montagne. Waouh. Ah ouais, pas mal, hein. C'est bien haut, hein. Punaise. Un deltaplane, bah ou plutôt oui un deltaplane, un deltaplane, c'est sympa. Regardez-moi ça, c'est vertigineux. Pas avoir le vertige, hein. Voilà. Alors, je vais faire ma carrière bah, là-bas. Vous voyez là-bas, ça commence, ça fait un rond. Je vais utiliser ce rond en fin de compte pour commencer le début de ma carrière. Voilà. Donc là, on a pas mal de roches et tout là, forcément, sur une montagne, c'est on a ça à disposition et c'est cool. Voilà, encore des nouvelles recettes débloquées. Alors, n'aie pas peur, le minou. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Je te veux pas de mal. Mais non. Il va déjà faire nuit, quoi. Oh, les poissons. Oh, ils ont sauté, là. Excellent. Oula. C'est toi qui fais un bruit comme ça, là. Alors. La pioche. J'ai du stick ici. Moi, je la fais comme ça, hein, mais après, on peut forcément. Là, par exemple, j'ai de quoi faire l'épée. Je fais l'épée, quoi, voilà. J'avais un lit. Alors, moi, ça, c'est extrêmement joli, quoi. Très beau coucher de soleil. Oh, excellent, quoi. Un très beau point de vue, quoi. Allez, je vais poser mon lit ici. Ah, ça rend trop bizarre. Allez, je passe la nuit. Et voilà. Nouvelle journée sur Minecraft. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vais me faire un coffre tout de suite. Voilà. Je vais mettre tout de suite les choses que je vais pas me servir tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ce qui est. Ouais, bon, pour l'instant, je vais mettre toutes les. Bah alors, pourquoi ça veut pas? Tout ce qui est bloc de construction et ouais, même ça aussi. Bon, ouais, voilà. Je vais mettre tout ça là-dedans pour l'instant. La poudre. Bah, la poudre, je peux en faire de la poudre d'os tout de suite. Pas de mille, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas. La poudre d'os, ouais, c'était là. Les œufs, on les gardait. La viande. Alors, la viande, je sais que pour la viande, il y a un nouveau truc, c'est le fumoir. Alors, si je reprends, je reprends de la pierre, je vais refaire un four. Et le four, c'est. Il me faut. Ah oui, mais je suis bête, forcément, si je fais pas ça. Ah, si, je l'ai fait.
Il faut que je prenne du bois, voilà. Je peux faire normalement un fumoir. Normalement, on doit le voir. Alors, il y a des... Tout ça, là, je crois que ça sert pour les... Pour les villageois, on leur fait un établi et... Un établi. On leur fait une table comme ça, la table forgeron. Après, il y a le... Il me semble qu'il y a d'autres choses, comme, je sais plus, pour le villageois qui crée les livres aussi, je crois, je sais plus. Bon, ouais, voilà, et on leur fait leur... on peut leur proposer un travail comme ça, et après, on peut marchander avec eux. Donc ça, c'est sympa. Bon, je sais pas si je suis clair dans ce que j'explique, mais... Donc là, bûche de chêne. On peut mettre n'importe quoi, non? Ah non, c'est de la bûche. Ah oui, il faut du bois brut, donc... Ah, d'ailleurs, il va falloir que je refasse ça. J'ai pas l'arbre à côté de mon lit. C'était sympa, ça me protégeait, mais non. Je l'abats. Eh oui. Tant pis. Alors, ça, et on fait un fumoir. Et le fumoir me semble va plus vite à. Je vais reprendre un peu de. Alors, j'arrive plus à transférer mes items tout d'un coup là. Bon, c'est pas grave. Et donc là, si je mets ça, la viande, voilà. Voilà, ça va quand même beaucoup plus vite, hein. Et voilà. Donc là, j'ai la côtelette cuite, c'est la même chose, sauf que ça va beaucoup plus vite à cuire. Donc ça, c'est cool. Ah oui, vous pouvez voir dans mon inventaire là. J'ai trouvé des soupes suspectes. Alors, je sais pas ce que c'est, hein. Je vais pas y toucher pour l'instant. Je testerai peut-être plus tard quand je serai un peu plus. Là. Ah oui, non, elle est là. Quand je serai un peu plus établi, voilà, etc. J'aurai peut-être fait des potions de soins et autres au cas où, hein. J'ai trouvé ça dans une épave, je savais pas, mais bon, maintenant on a des épaves de bateaux. Donc ça, c'est franchement cool aussi, quoi. Et dedans, il y a des coffres. Des fois qui sont cachés, hein, recouverts par du sable, de la terre, selon. Donc c'est franchement sympa. Franchement sympa. Alors, par contre, au niveau du terrain, là, je vais tout. Ouais, je crois que je vais tout aplatir ici. Ouais, je vais tout aplatir. Je vais laisser peut-être un ou deux arbres, moi je planterai. Oh, tiens. Ah, mais je suis sur un biome où il y a des citrouilles qui poussent, ça c'est cool. J'avais pas vu. Donc ça, c'est sympa. C'est assez sympa. Et donc là. Ce que je vais falloir que je fasse, hein, mais bon, je pense que je ferai une. Je veux en faire hors enregistrement, forcément, c'est d'aller miner. Hein, forcément, c'est pas. Je vous montrerai un peu. Mais j'irai miner, hein, pour trouver mes premiers diamants, pour faire ma pioche diamant, etc. Sachant qu'ici, il va falloir que je descende, hein, parce que je suis à peu près dans les couches 70, là, cette hauteur-là. Donc il va falloir que je descende, hein, pas mal. Bon, voilà. Donc voilà, donc bah c'est pas forcément beaucoup de choses à vous montrer là sur cet épisode-là, à part mon installation. Ce que je peux faire peut-être. Est-ce que je me fais une maison en bois basique que j'améliorerai après? Juste pour avoir un. Allez, on va dire un endroit à l'abri de la pluie. Hein, si on se dit un peu RP. Est-ce que je peux pas faire. Je peux faire des escaliers. Je peux faire quoi? Des. Niveau des blocs de construction. Qu'est-ce que je peux me faire? Des plaques. Oh, ça, ok, forcément. Je peux pas faire les escaliers là, des escaliers en bois? On peut pas. Non, on commence à. On peut pas faire des escaliers en bois. On peut faire des escaliers en bois. Ah bah si, là, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux faire déjà de sympa avec ça? Je vais en faire 8. Alors,
Ça. Bon, j'aime bien faire des fois des trucs assez originaux. Est-ce que je peux le... Donc là forcément il va se placer. Oui ok, donc ça se place comme ça. Faut que je me rappelle. Voilà. Tiens, tout ça. Faire la base, hein. Après, je commence là et après je vais pas vous embêter avec toute la construction, peut-être longue, pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant des fois à regarder. Alors comme ça on va faire un quoi? Pourquoi je comprends pas pourquoi il me propose pas d'en faire plus là. Voilà, ouais, c'est bizarre. Hein. Pourtant, ils sont là, mais. Ouais, je comprends pas pourquoi il propose pas d'en faire plus. Tiens, pourquoi il s'est mis comme ça, lui, là? Pourquoi il s'est. Il s'est pas mis normalement. Voilà. Ah, oui, forcément. Faut que je m'y refasse, hein. Sens. Voilà, je finis d'user mes outils en bois là, puis après je fais tout de suite mes outils. C'est vrai que j'ai peut-être plus assez de fer pour la fabrication d'outils. Allez, je retire tout ça. Voilà, quelques blocs de terre qui me gênent encore. Ben voilà. Bon, j'avais encore fait une pelle en. Ça allait un petit peu plus vite quand même avec la pelle en pierre. Voilà. Alors, et je vais poser ça comme ça. Voilà, ici, il y aura une porte là. Après, je teste, hein, je fais du... Voilà. Oups, loupé. Ma pioche va casser. Bon, voilà, pile poil. Ah! J'en ai refait une en pierre, c'est vrai. Chaque fois, je m'en faisais une d'avance. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Là, par contre, ouais. Peut-être que je mettrais du verre ici. Je sais pas, hein, c'est vraiment petite construction, là, comme ça. Voilà, avec un ici, on va mettre un bloc là. Voilà. Tiens, est-ce que je mettrais pas. Si je mets un bloc là, comme ça, après au-dessus. À voir, à voir, à voir. Bon. Bah écoutez, sur ce début de construction, je vous dis à bientôt. Pour la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, likez, partagez, un petit pouce si ça vous a plu, même si le contenu pour l'instant est très sommaire. Et je vous dis à plus!